Voici une locomotive électrique ACS-64, aussi connue sous le nom d'Amtrak City Sprinter. Elle est uniquement utilisée dans le nord-est des États-Unis. Montez à bord pour la démarrer. Entrez dans la cabine en passant par la porte qui est devant vous. Pour démarrer la locomotive, appuyez tout d'abord sur le bouton de la batterie pendant au moins 5 secondes. Ensuite, passez par la porte côté droit et suivez le couloir pour aller au panneau du sélecteur de pantographe. Retournez dans la cabine et asseyez-vous sur le siège du conducteur lorsque vous serez prêt. Appuyez sur le bouton pour lever le pantographe afin de connecter ce dernier au caténaire. Pour finir, fermez le disjoncteur principal. Afin de montrer que cette locomotive est opérationnelle, réglez les phares avant sur plein phare et allumez les feux de fossé. Utilisez l'inverseur pour choisir un sens de marche. Réglez le manche de l'inverseur sur la position marche avant. Pour pouvoir avancer, il faut desserrer le frein automatique. Le manche rouge à votre droite doit être tiré complètement vers vous. Faites retentir l'avertisseur sonore deux fois de suite pour prévenir les autres usagers que cette locomotive va démarrer. Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent. Maintenant, appliquez de la traction en réglant le manipulateur combiné sur au moins 40%. Thank you.
Afin de maintenir une vitesse constante, positionnez le manipulateur combiné sur neutre. Pour arrêter la locomotive en douceur, placez le frein automatique sur la position serrage minimale. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est assez simple, non? Bon travail! Souvenez-vous de cet entraînement et si vous l'appliquez en situation